Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast particulier parce que c'est toujours le confinement, c'est pas fini, et particulier parce que j'ai le coronavirus sous forme pas grave, c'est-à-dire que j'ai pas été obligée d'aller à l'hôpital. En résumé, pour moi, ça s'est manifesté par un début d'angine avec des courbatures, des frissons pendant, je sais pas, 2 jours quoi. Et puis après, il y a l'essoufflement qui est arrivé. Voilà, donc essoufflé au moindre truc. Comme je disais à un moment donné, c'est juste boire monter une gorgée. J'en peux plus. Je suis en train de lire un livre qui est très très prenant, mais du coup, quand on est là et qu'il y a peut-être le tueur qui va arriver et tout, je dis, j'arrivais plus. Enfin voilà, donc. Donc voilà, pour répondre à la question qu'on m'a beaucoup posée, les enfants, ça va, ils ont eu vraiment un rhume, un petit rhume avec des courbatures, c'est tout. Mon mari, il a eu un petit rhume, c'est tout. Voilà, donc sa famille se rassure. Ne vous inquiétez pas, il va extrêmement bien. Voilà. Donc, sinon, je voulais à tout prix enregistrer parce que ça me manque, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis pas capable d'enregistrer longtemps, donc du coup je me suis dit que j'allais faire des petits épisodes en plusieurs fois, ce qui moi m'arrange. mais je pouvais pas tenir. Enfin voilà, j'ai déjà eu la grippe au mois de février. Enfin là, j'en ai besoin. C'est comme ça. J'avais besoin d'enregistrer. Donc je sais que ça me fera plus de bien que de mal, donc je le fais, mais je reste raisonnable en faisant des épisodes plus courts et j'en ferai plusieurs du coup. Donc ce que je vous propose pour ces petits épisodes, c'est en fait de vous montrer dans chacun de ces épisodes un projet tricot terminé, un en cours tricot, un projet couture terminé, un livre terminé et une activité enfant. Voilà, donc j'espère que ça vous ira, que ça vous conviendra, que ce truc d'avoir des petits épisodes plus courts, plus souvent, ça vous plaira aussi. Enfin, je sais que moi j'ai tendance à préférer ça, mais à regarder. Mais bon, on n'est pas tous pareils. Donc bon, j'espère que ça vous ira. Voilà. Donc je vais essayer pour une fois d'aller à l'essentiel. Ça m'arrangerait. Et puis écoutez, c'est parti. Alors, tout d'abord, ce que je porte, c'est le pull Tétis d'Anna Rousse Pattern. Avec ces poignées que j'adore, enfin, si on met dans le bon sens avec la petite tête, voilà, ça donne ça. J'ai fait une modification, je crois que le col n'est pas comme ça normalement, j'avais fait une version simple, enfin, je vous en ai déjà parlé, et dans le dos, il y a un passepoil, voilà. Il y a plusieurs versions, dans le dos et tout, moi je suis trop fragile, je suis malade tout le temps, je ne fais pas ouvert dans le dos, je ferme. Très sympa à porter, ce tissu c'est un tissu glitter pupille, c'est un French Terry, au motif que je trouve super. J'adore ce motif, je l'ai dans plusieurs couleurs, moi j'ai une jupe verte que je porte beaucoup, et mes filles, ma grande elle en a un, ma dernière elle a un pyjama avec, et puis je crois que j'ai fait aussi un sweat avec la version violette pour ma dernière. Enfin voilà, je suis fan de cet imprimé. Voilà, du coup on passe à la partie tricot. Alors, partie tricot, donc je vais vous montrer un projet terminé, et celui que j'ai choisi de vous montrer dans cet épisode, c'est le pull Jolie Fleur, que je vous montre dans le bon sens, Jolie Fleur de Gilles Carina, voilà, que j'ai tricoté avec les laines de Ingrid Une Louve dans les Bois. Il s'agit de sa base single, et les coloris pour le vert, c'est Forêt Noire. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous voyez mieux la couleur, mais Forêt Noire, et pour le blanc, enfin le blanc, la couleur claire, c'est Soleil de Minuit. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une base single. J'étais pas très single, j'ai changé d'avis. Je pense que je vous l'ai redit, donc on va s'économiser du souffle. Je ne vais pas me répéter. Le jacquard en single, c'est génial. Vraiment, c'est super. En fait, ça remplit bien l'espace, il n'y a pas de trou, voilà. Donc là, il est fini, il est bloqué,
Et alors, c'est peut-être pas très régulier parce que, enfin, déjà, en fait, le fil remplit bien, gonfle, mais pas forcément très régulier. Ensuite, moi, je ne dois pas tricoter non plus d'une façon mécanique. Je ne suis qu'humaine. Et voilà. Mais bon, après le blocage, etc., voilà ce que ça rend. Donc, moi, j'adore. J'adore, je trouve que du coup le motif il rend super bien. Enfin, c'était vraiment une très bonne idée de partir sur cette base. Là, d'ailleurs, vous voyez vraiment les bonnes couleurs. Voilà. Donc les couleurs du Louvre dans les bois, je suis fan. Ce vert, il est hyper intense, il est magnifique, il est nuancé, mais c'est, enfin, je sais pas comment dire. Il est nuancé, mais en même temps, c'est quand même uni, quoi. Enfin, c'est pas très logique ce que je dis, mais c'est pas nuancé dans le sens où on se dit, bah mince, avec quoi je vais pouvoir l'associer. Non, là c'est nuancé, mais ça reste totalement possible de l'associer avec un pantalon, même pas forcément un jean. Enfin, bon, je trouve pas ça chargé, en fait. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment superbe et puis très intense avec du vert foncé, du vert là presque fluo, enfin vraiment magnifique. Et le coloris, donc soleil de minuit, il est plus uni, mais j'ai dit plus uni. il a quand même des petites touches de couleur. Alors faut réussir à tomber dessus, mais alors je sais pas si vous voyez celle-là. Elle a des. Voilà, elle est plus ou moins écrue, quoi. Voilà, donc vraiment super. Le modèle en lui-même, je l'adore. donc, c'est un modèle que j'ai testé. En fait, j'ai fait trois tests pour le Knit It de Lyon qui a été reporté, du coup, vu le contexte. Et donc, celui-là en faisait partie. En fait, je l'ai repéré un peu avant Noël. Voilà, j'étais tombée sur un post d'Ingrid justement qui montrait le pull de la version de Gilles Carina avec les couleurs que la designeuse a choisies, etc. Quand j'ai vu ce motif, mais ouf, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore le jacquard et là je trouve que vraiment on est sur autre chose en fait. On est vraiment sur autre chose que du jacquard habituel. C'est fin, c'est féminin, voilà, c'est super. À tricoter, c'est moins évident qu'un jacquard classique dans le sens où on ne peut pas vraiment anticiper le rang d'après. On ne peut pas. Enfin, moi j'ai beaucoup regardé le diagramme. Hein, les rangs, le motif sur les rangs, c'est pas du 2, 2, 2, 2, c'est. Enfin, je sais pas s'il y a une répétition d'un certain nombre de mailles. On est sur du 3 fois couleur contrastante, une fois couleur principale, deux fois couleur contrastante, trois fois couleur principale. Enfin voilà, c'était difficile de retenir. Donc par exemple, je n'ai pas fait. Il y a beaucoup de rangs que je n'ai pas pu faire en lisant parce que bah, j'arrivais pas à avoir ma petite musique en tête et à lire. Et en fait, quand il y a un tricot où je peux pas lire en même temps, pour moi, ça devient un peu compliqué à le tricoter parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir lire. Donc voilà, vraiment un superbe modèle. Et donc, en plus de ce yoke magnifique, il y a donc les manches où on a un rappel du motif. Voilà, très très beau, donc très féminin. Et puis il sort pile à la période où les fleurs sortent. Donc, de mon côté, vous le savez, j'ai un jardin. Ces fleurs me font beaucoup penser aux fleurs de cerisier. Et c'est la période des prunus. Bon, c'est. Enfin voilà, du coup, j'étais très, très contente de le tester, très contente de le faire. Je sais que je le porterai beaucoup. Vraiment, c'est un très, très chouette modèle. Voilà, je connaissais pas cette designeuse, mais elle en a fait d'autres qui sont vraiment bien et comme je dis, qui sortent de l'ordinaire en fait. Enfin, c'est pas non plus des choses très fantaisie ou qui sont portables. Non, 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 c'est totalement portable. Voilà, là, c'est un jacquard qui est vraiment limite plus simple à associer que certains plus traditionnels. Mais ça change. Je trouve qu'il y a. Ouais, ces modèles sont très intéressants.
Voilà. Donc ça, c'était le projet terminé. Donc là, il est bloqué, etc. Parce que je vous en ai pas mal parlé, mais là, il est vraiment fini, fini, fini. Et sorti. Voilà. Donc, je vais passer à l'encours. Alors, l'encours que je vais vous montrer, c'est l'encours qui a le plus avancé. Et l'encours qui a le plus avancé, c'est mon Lady Brioche. Voilà. Donc, c'est mon gilet Lady B après Lady Agatha. J'ai fait donc le Lady B. Donc, je vous avais parlé du point brioche. Quand je vous l'avais montré, il n'était pas bloqué. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Donc, depuis. J'ai pas terminé. Vous voyez, il me manque encore une manche. Et puis la première, je l'ai pas finie. Je l'ai bloqué. J'ai fait un blocage intermédiaire pour plusieurs raisons. Déjà parce que une fois que j'ai fini le corps, j'ai fait. Donc j'ai fini le corps. Je vous en parle après, mais j'ai fini le corps. J'ai fait les bandes de boutonnage. J'ai fait le col. Et puis je me suis dit, je sais pas du tout ce que ça va faire, je sais pas, je doutais vraiment beaucoup. Donc pour pouvoir, j'espérais me rassurer, en tout cas pour me faire une idée de ce que ça donnerait bloqué, bah je l'ai bloqué, tout simplement. Je l'ai bloqué, je fais jamais de blocage intermédiaire, hein. Mais là non, c'était pas possible. Et puis l'autre truc aussi, c'est que si ce blocage était validé, ça voulait dire que pour moi, le modèle était validé, puisque les manches sont en jersey, donc pas de souci. Enfin, je suis pas trop stressée, je devrais pas trop me planter sur la forme des manches. Après, je vais peut-être me planter dans les explications, mais bon, c'est pas sur la forme des manches, ça devrait aller. Donc, je me suis dit qu'une fois que. Enfin, si c'était OK, une fois sec, je lancerai le test. Je l'ai bloqué. J'étais contente du résultat. Alors, ça peut être prétentieux, mais franchement, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, j'ai eu beaucoup de craintes. C'est pas évident, l'échantillon est très particulier, on est sur de la brioche. Faut savoir que mon gilet, après blocage, il a pris plus de 5 cm. Donc voilà, enfin, c'était quand même un pari, quoi. Je savais pas. Enfin, j'avais anticipé le fait qu'il allait prendre en hauteur. J'en avais parlé avec Elodie et le Tulipe qui avait testé un modèle pour Marie-Amélie tout en brioche. Donc du coup, voilà, elle m'avait confirmé que ça s'étendait. Et après, voilà, enfin, ça s'étend. Oui, mais moi, je voulais l'étendre comme ça, je voulais l'étendre comme ça. Et voilà. Donc, je l'ai bloqué en épinglant exactement les mesures que je souhaitais avoir. De toute façon, une fois qu'il a été mouillé, une fois qu'il était trempé, je pouvais le tirer dans tous les sens, il n'y avait aucun souci, quoi. Vraiment, il s'étendait beaucoup. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, le point en lui-même, bloqué. J'ai un petit fil. J'enlève le petit fil et je vous remontre. Voilà. Donc je suis contente du rendu. Vraiment, je suis contente du rendu. Alors la laine est toujours aussi magnifique, hein. C'est de la The Uncommon Everyday de la marque The Uncommon Thread. Coloris Golden Praline qui m'avait été offert par Alice. Voilà, donc coloris que j'adore, qui me tient à cœur. Et je suis très contente de pouvoir créer un gilet avec de la brioche. Ce qui est assez cohérent avec le fait que ce soit Alice qui me l'ait offert. Les côtes, c'est de la brioche simple. Donc le point, c'est de la brioche interrompue, en quinconce, etc. J'avais prévu une vidéo pour les explications. Je l'ai mise en public sur YouTube. Voilà, j'ai pas de soucis particuliers, même si enfin, de mon côté, j'ai pioché à droite à gauche certains trucs. Parce qu'on voit que de la brioche interrompue, on voit que de la brioche en quinconce. Je pense pas non plus avoir révolutionné le monde. Et puis. Enfin voilà, donc du coup j'ai mis volontiers ma vidéo en public pour vous expliquer le point, pour surtout vous dire que c'est pas compliqué, et pour les personnes qui sont habituées, pour vous aider à vous repérer dessus, parce que là, quand c'est comme ça, bloqué, on se dit ah bah on voit comment c'est fait, on comprend. Mais quand c'est pas bloqué, c'est pas forcément évident. De mon côté, j'ai été plusieurs fois obligée de détricoter, donc voilà, j'ai fait une vidéo comme ça, je me dis ce sera plus simple. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller le voir, c'est sous forme de tuto. Hein, donc, brioche simple pour les côtes. Voilà. Brioche
pour la bande de boutonnage, avec une large bande du coup, hein, longue côte, large bande et petit col en brioche, mais pas très haut, pas très long, parce que j'avais peur que ça fasse trou. Voilà. Je trouvais qu'en plus s'il y avait un gros col, bah je sais pas, je trouvais que ça allait tout manger le reste. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc là, on voit une démarcation entre le tout beau, tout bloqué et le tout pas beau, tout pas bloqué. Hein, donc ça, après le blocage, j'espère que tout se remettra bien. Parce que, alors, on ne voit pas à ce point-là, hein, en vrai, mais... Oh, et puis on le voit moins derrière. Et là, on a limite l'impression que j'ai fait un rond de maille en verre. Mais non, non, non. Non, non, non. Voilà. Donc, je ne l'ai pas terminé. J'ai quand même envoyé les explications aux testeuses. Du coup, sans les manches. Voilà, le test est lancé. Je les remercie. Il y en a pas mal qui rempilent et qui ont déjà testé le Lady Agatha et qui reviennent tester Lady Brioche. J'espère en tout cas que, voilà, que ça ira, qu'il plaira, qu'il sera agréable à faire et ensuite j'espère qu'il vous plaira à vous aussi quand il sortira. Voilà, donc sortie prévue début juin. Voilà. Donc ça, c'était l'encours tricot et du coup, pour être raisonnable et pas trop m'essouffler, je passe déjà à la partie couture. Alors, partie couture, donc le projet que je vais vous montrer, c'est une blouse. Et c'est la blouse Aurore de ma petite garde-robe que j'ai cousue avec ce jersey de Lille Stoff. Vous voyez pas grand-chose. Ah oui, non, vous voyez vraiment pas grand-chose. Donc déjà, le jersey. Donc le jersey, en fait, je l'ai gagné de la marque. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet été, Lulu la Luciole m'avait contacté pour m'offrir un tissu de mon choix. Ça m'avait permis de découvrir le site de Lulu la Luciole, qui est un site rempli de merveilles. Mais pas de trois merveilles, non, c'est de beaucoup, 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 beaucoup de merveilles. C'est impressionnant pour les adultes, pour les enfants, enfin, c'est génial. Et donc j'avais choisi un jersey modal de chez Lille Stoff avec des plumes de paon. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez depuis cet été, mais voilà, c'était un jersey comme ça. J'en avais fait une blouse Aurore de ma petite garde-robe toujours. Et en fait, Lille Stoff sélectionne parmi les photos qui ont été partagées, sélectionne des photos. Des projets, voilà, et en fait on gagne quelque chose quand on est sélectionné. Alors, je connaissais pas du tout le truc, c'est quand sur Facebook j'ai été taguée que je me suis dit ah, et voilà, enfin, du coup au final ils m'ont envoyé, ils m'ont demandé mon adresse et ils m'ont envoyé ce jersey. Donc là c'est un jersey plus épais hein, que le jersey modal. Et il est superbe, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, il est superbe. Donc bleu marine avec toutes les fleurs rouge et bleu ciel là, vraiment magnifique. J'ai beaucoup hésité sur le projet. Alors vous savez, vous commencez à connaître mes patrons fétiches, donc forcément j'ai pensé à une impatiente de MLM patron. J'ai prévu d'en faire, d'ailleurs j'ai reçu tout à l'heure du tissu pour en faire. Et du coup, donc j'ai hésité sur ça et j'avais deux choses où j'étais pas sûre. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas cousu tout de suite aussi. La première, c'est qu'il est un peu épais. Alors j'ai déjà fait des impatientes avec un jersey un peu épais, mais là, je sais pas, ça m'embêtait un peu plus. Et puis ensuite, j'en ai déjà une bleu marine avec, je sais plus ce qu'il y a dessus, si c'est des fleurs ou quelque chose, mais des motifs rouges. Donc j'allais pas faire deux. Voilà, j'aurais eu l'impression d'avoir deux fois le même vêtement dans ma garde-robe, et donc j'aurais été obligée de les porter à deux jours totalement différents, ce qui m'aurait
agacée, parce qu'en plus, c'est pas le genre de truc auquel je pense sur le moment. Voilà, donc j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, bah, je vais faire une blouse aurore. Et puis après, j'ai tilté, ouais, enfin, j'avais quand même fait une blouse aurore au début, avec le premier tissu Lilo Stoff, puis je me suis dit, bah, c'est pas grave. Allez, je fais une blouse aurore. Alors, je crois que c'est ma troisième. Je crois que c'est ma troisième, il me semblait que j'en avais fait à manche courte, mais non, c'est pas possible. Moi, bon, je sais pas. La blouse aurore, je l'aime vraiment beaucoup. C'est bon, c'est rapide à faire, mais il y a quand même beaucoup de pièces et ça mange pas mal de tissu. Donc, on a une pièce pour le devant, l'équivalent pour le dos. Sur les côtés, en fait, on a déjà un bout de pièce qui s'arrête là. Donc un pour le devant, un pour le dos, un pour le droit, la droite, un pour la gauche. On a un volant donc, qui est composé de deux pièces. Sur le côté, les deux empiècements hauts des côtés sont rattachés par un autre morceau. Donc ça veut dire que juste pour le devant et le dos, au lieu d'avoir une pièce devant, une pièce dos, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pièces. Voilà, si je me suis pas trompée. Plus le col et puis bah des manches. Voilà, donc ça fait beaucoup. Après ça s'assemble bien. Moi j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai utilisé ma machine à coudre qui est d'ailleurs juste à côté de moi que vous ne voyez pas parce que c'est le bazar pour faire les franges et pour faire l'ourlet double. Voilà. Donc pas de difficulté, et puis c'est sympa à porter. Ouais, c'est sympa à porter. C'est pas trop large, mais ça moule pas le ventre. C'est aussi chouette rentrer dans le pantalon. Voilà. Donc ça, c'était le projet couture dont je voulais vous parler. Et on passe à la partie lecture. Alors, partie lecture, j'en aurai plusieurs à vous montrer, mais ce sera au fur et à mesure. Donc, je prends dans l'ordre, et du coup, c'est Le chat et les pigeons d'Agatha Christie. Donc, vous le savez peut-être, j'ai organisé un challenge sur l'année 2020 avec des titres à lire chaque mois, j'allais dire chaque jour, chaque mois sur Agatha Christie, enfin, un titre d'Agatha Christie. Parce que le livre de poche avait organisé ça l'année dernière, de l'été à la fin de l'année. J'avais beaucoup aimé, avec pareil, titre imposé, et du coup j'ai eu envie de faire ça, de continuer. Alors, Le chat et les pigeons, je ne l'avais jamais lu. Et en fait, il a tout pour pas me plaire. Ça commence bien. En fait, il a tout pour pas me plaire parce que. Parce qu'on n'est pas sur un Hercule Poirot classique. Hercule Poirot arrive tard, vraiment très très tard. Ça, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais mes vieilles éditions que mes grands-parents me trouvaient dans les brocantes ou que je trouvais dans des petites boutiques de livres d'occasion. Et du coup, c'était un truc que je regardais en fait. Je feuilletais les pages pour voir quand est-ce que Poirot allait arriver. Et s'il arrivait trop tard, je laissais le livre de côté et je disais, allez, on passe à un autre. Je les prenais presque dans l'ordre. Enfin oui, plus il apparaissait vite et plus je le lisais rapidement, quoi. Et du coup, bah là, il arrive très tard. Et puis en plus, c'est une histoire qui se passe dans un collège ou une école, je sais plus. De jeunes filles, donc on n'est pas sur le truc habituel où on est dans un espace assez réduit avec 4, 5 suspects qui sont, allez, peut-être 8 grand maximum qui sont interrogés à tour de rôle. Non, là c'est un peu particulier, et puis donc il y a des meurtres, mais ils n'arrivent pas comme ça, c'est parmi les professeurs, enfin voilà, c'est un peu. Un petit peu bizarre. Et puis en fait, c'est une jeune fille qui va appeler Poirot en plus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était pas habituel, donc c'était pas trop ce que j'aime. Et en plus, vous avez été plusieurs d'ailleurs à dire que vous l'avez pas aimé. Enfin, voilà, vous l'aviez pas aimé parce que justement, Poirot arrivait trop tard. Et ce que je comprends totalement. Mais alors moi, bizarrement, bah, je l'ai adoré. Alors là, j'ai pas d'explication, je peux pas vous dire.
Tout de suite, enfin, c'est toujours la même chose, hein. Je trouve que quand les livres, ça dépend du contexte dans lequel on est. Voilà, est-ce qu'on arrive à lire? Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on n'a pas de problème? Est-ce qu'on arrive à se concentrer? Est-ce qu'on arrive à lire sans être interrompu? C'est peut-être ça, c'est peut-être un bon contexte, mais en tout cas, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai été très rapidement prise dans l'histoire. Voilà, Poirot était pas là, bah, c'est pas grave, mais je m'attachais au personnage, l'histoire de chaque famille, voilà. Donc non, vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est mes éditions chez France Loisirs. Donc ma grande m'a dit, mais il est trop beau ce livre avec le chat, je peux lire un Agatha Christie. Donc on a regardé pour lui trouver peut-être des nouvelles, et puis en plus elle a lu 2 pages et elle n'a pas accroché, mais elle a pas 9 ans, hein, donc j'avais trouvé des nouvelles, parce que en général les nouvelles d'Hercule Poirot, c'est plus des histoires de vol que de meurtre, etc. Mais elle n'a pas accroché, mais heureusement. Mais France Loisirs, je ne lui prêterai pas. C'est mes beaux Agatha Christie. Je lui ressors mes livres d'occasion, mais je ne lui prêterai pas cela. Même si le chat est très beau. Je passe à la partie enfant. Alors, partie enfant, je voulais vous parler de plusieurs activités. Alors, je vous parle dans cette vidéo d'une activité parce que je ne pourrais pas plus, mais je voulais vous parler d'activités enfants parce que, un, on est en période de confinement et que du coup, bah, les enfants, il faut les occuper, hein, surtout si on continue à travailler. Et du coup, donc j'ai reçu de la part d'Ozou plusieurs activités et les enfants ont vraiment bien accroché en plus avec ces activités. Donc voilà, je vais vous les montrer. Là, je vais vous montrer mon coup de cœur pour ma dernière. Vraiment, j'adore. Donc c'est de la peinture magique. Donc c'est dans un espèce de petit classeur comme ça. Voilà, avec toujours les belles illustrations. Donc à l'intérieur, en fait, ça fait vraiment classeur, hein, parce qu'on a des intercalaires et normalement, les pages sont attachées là, mais on peut les détacher. Donc nous, quand ma dernière faisait ses activités, on a plutôt détaché les petites pages plutôt qu'à mettre de l'eau sur son truc. Alors, la peinture magique, je vous en ai déjà parlé, je crois, parce que j'avais été invitée à un événement de chez Ozu. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir? Oui, bah fais le tour. Bon, du coup, elle nous a rejoint. Alors, est-ce que tu veux parler de la peinture magique? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes bien la peinture magique? Oui. Alors, donc, on va prendre Pinceau. le pinceau. On va mettre D'eau. dans de l'eau. Hop. On met le pinceau dans de l'eau. Attends. On va faire en sorte, regarde, tu vois là, on va faire en sorte qu'on puisse le voir. Pourquoi pas Il ben, y a des puzzles pour mettre l'iPad dessus pour enregistrer. Vas-y, je te laisse faire. Tu fais le pinceau, vas-y. Voilà, hop, tu me donnes pour que je puisse montrer. Et voilà. Du coup, juste avec de l'eau, en fait, ça colore certaines parties. Et c'est vachement pratique pour les parents parce qu'il n'y a pas besoin de mettre les enfants avec de la peinture et devoir surveiller que ça se passe bien. Voilà, tu veux continuer un petit peu? Oui. Donc, on a plusieurs illustrations, etc. Et en fait, elle les a déjà tous faits plusieurs fois, mais après, ça sèche. Je sais pas, je trouve ça génial. Ça sèche et donc après, bah, elle le refait, etc. Voilà. Donc, même si elle utilise une bonne quantité d'eau, tu veux remettre de l'eau? Oui. Tiens. Même si elle utilise une bonne quantité d'eau, le papier gondole très peu. C'est du carton vraiment épais. Donc, enfin, quand je vous dis qu'elle les a fait, qu'elle les a déjà tous faits, elle les a déjà faits, mais tous plusieurs fois, quoi. Donc voilà, vraiment, vraiment super activité. Donc là, t'as quel âge, Lexi? 40. 4 ans. Donc à 4 ans, c'est super. Là, c'est mis à partir de 3 ans et plus. Donc ça, c'est derrière. Ça coûte 10,95 €. On a laissé le plastique sur la partie arrière. Ça coûte 10,95 € et voilà, voilà un petit peu ce que ça donne. Tiens, tu peux me le prêter pour que je puisse le montrer? Ouais, merci. Voilà.
Donc du coup, ça colore tout juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. Donc s'ils font tomber le pot d'eau, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, je vais... J'enregistrerai à un autre moment une deuxième vidéo pour continuer, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que cette version courte vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné par l'essoufflement. Je pense que là, de toute façon, je vais arrêter, puis je vais me poser un petit peu. Du coup, je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous. Et oui, à bientôt. Je dis au revoir. Au revoir.